Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de carterie. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte. Donc pour moi, ça s'appellera une carte accordéon. Donc celle que j'avais réalisée, moi, j'avais utilisé le papier design de la série Champ de coquelicot. Donc voilà comment se présente ma carte et du coup la carte ouverte. Donc j'y ai glissé deux petits tags à l'intérieur, de chaque côté, et voilà le derrière de notre carte. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte, mais du coup avec une autre collection de papier. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser notre projet du jour, comme couleur de base de carte, Corail Calypso. Et je vais me servir également du papier design, la balade des oiseaux. Donc je vais utiliser ce côté, celui-ci et celui-ci pour notre carte. Donc dans un premier temps, nous allons couper notre base de carte pour faire nos extérieurs de carte. Nous allons couper deux morceaux de 14,85 sur 11 cm. Donc moi, ce que je vais faire, je vais couper 11 cm sur la largeur. Comme ça, l'autre morceau qui nous restera servira à réaliser l'intérieur de notre carte. Et du coup, 14,8,5. Nous avons nos deux morceaux de 14,8,5 sur 11 cm. Donc ensuite, sur l'autre morceau de corail calypso qui nous reste, nous allons couper 28 cm sur 10. Donc normalement, nous avons déjà les 10 là. Donc on coupe sur 28 cm. Dans nos 28 cm, on va marquer des plis. Donc on va marquer un premier pli à 7 cm, 14 cm et 21 cm. Du coup, mes plis formé, donc on en a un à 7, 14 et 21 cm. Donc tant que nous sommes avec notre coupe papier, nous allons couper notre papier design. Donc pour l'extérieur de ma carte, moi je vais utiliser celui-ci. Donc il nous faudra deux morceaux de 10,7 cm sur 14,6 cm. Mes deux morceaux, donc ceux-là me serviront à faire donc l'extérieur de notre carte comme ceci. Donc du coup, pour l'intérieur de ma carte, donc le papier design qui se présente ici, je vais utiliser celui avec les cages. Je le trouve très très joli. Donc du coup, il nous faudra également deux morceaux de 10,7 sur 14,6. Et notre papier design qui nous servira à décorer notre partie accordéon, je vais utiliser ce papier design, pardon. Donc il va devoir mesurer donc 9,7 sur 6,7 et il m'en faudra 4. Morceaux qui me serviront à décorer ma partie accordée. Et nous allons aussi découper deux morceaux de murmure blanc qui vont nous servir à réaliser nos deux tags. Donc il faudra qu'il mesure 5 cm de largeur. Donc on les coupe à 5 cm. Avec ma perforatrice, je perforerai déjà là. On recoupera et on reperfore. Voilà ce qu'il en est pour notre coupe papier. Donc, nous allons maintenant reprendre notre morceau qui mesurait 28 sur 10 cm. Et sur ce côté, donc en haut, nous allons nous faire un repère à 5 cm. Donc ici.
Voilà. Et nous allons tracer de notre repère à notre ligne de pli. Comme ceci. Et on fait la même chose du coup sur notre côté droit. Voilà. Et nous allons avec notre ciseau couper cette partie de chaque côté. Voilà ce que nous devons obtenir. Donc maintenant nous allons reprendre nos quatre petits morceaux de papier design qui mesuraient 6,7 sur 9,7 cm. Que nous allons donc coller deux sur le milieu, mais du coup sur celui de gauche et de droite, on va également faire un repère. Donc là, ce repère, on va démarrer de notre haut de papier design avec un petit repère à 4,7. Hop, je fais mon petit repère à 4,7 et la même chose, je trace mon trait jusqu'à ma pointe du dessus. Voilà. Donc du coup, ce morceau sera celui de droite. Et je fais également la même chose, mon repère à 4,7 pour mon côté de gauche. Donc maintenant, nous allons couper sur notre trait. Donc voilà ce que nous avons. Donc je vais coller mes morceaux. Voilà ce que nous obtenons. Donc ensuite, à l'aide de mon plioir en os, je vais du coup former mes plis. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se fera comme ça. Donc voilà, je forme mes plis. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais reprendre mes bases de corail Calypso. Ou sur l'extérieur, je vais coller, comme je vous le disais tout à l'heure, donc mes deux morceaux de papier design que nous avons coupés à 10,7 sur 14,6. Donc ceux-ci me serviront à l'extérieur de ma carte et les deux autres du coup sur l'intérieur de ma carte. Voilà, je colle tout ça. Nous allons reprendre donc notre base accordéon. On va déjà mettre de la colle ici, ici, ici. Nous allons positionner notre carte comme ceci. Voilà, on va déjà faire ça. Donc voilà. Ensuite, je referme ceci. Et pareil, je vais mettre de la colle sur mes trois côtés. Je vais reprendre mon morceau de base que je vais positionner comme ceci. Alors attention, hein, bien se positionner l'un en face de l'autre. Je vais appuyer et ma carte sera formée. Voilà ma carte formée. Donc maintenant nous allons procéder à nos tags. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans mon morceau de murmure blanc, je l'ai coupé sur la largeur à 5 cm. Donc, je vais me servir de ma perforatrice étiquette charmante. Et nous allons perforer déjà le haut de notre morceau de papier murmure blanc. Donc, voilà notre morceau coupé, perforé, pardon. Donc, du coup, je ne sais pas, je vais couper peut-être à...
dirais que à 10 cm. Donc je reprends mon coupe-papier et je coupe à 10 cm. Voilà mon tag formé. Du coup, je renouvelle l'opération pour mon deuxième tag. Voilà, mes deux tags sont formés. Donc maintenant, je vais me servir de mon encre Corail Calypso afin de décorer un petit peu mon tag. Je vais utiliser le set de tampons libre comme l'oiseau et je vais tamponner sur le bas de mon tag cette petite fleur. Donc je vais le tamponner en Corail Calypso, comme ça, si nous le mettons sur le bas, nous pourrons toujours y glisser un petit mot pour le destinataire de la carte. Du coup, toujours avec mon encre Corail Calypso, je vais prendre la petite chute de murmure blanc qu'il me reste et je vais cette fois-ci tamponner le sentiment tu es unique au monde. Voilà, mon petit sentiment tamponné. Maintenant, je vais prendre un cercle de la pyramide de cercle où je vais découper ce petit sentiment dans ma Big Shot. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mon petit sentiment du coup découpé. Nous allons reprendre maintenant notre carte. Je vais y passer des stampines dimensionnelles sur l'arrière et je vais le positionner comme ceci. Et du coup, je vais y glisser mes tags à l'intérieur de mes deux petites pochettes que nous avons faites tout à l'heure. Voilà comment se présente notre carte. Je trouve ça quand même original, super sympa, très simple à réaliser. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de compliqué. J'espère que mes explications auront été claires. Si cette vidéo du coup vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous retrouverez toutes les mesures de découpe dans l'adresse de mon blog qui sera en barre d'information juste en dessous. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir!